Invité sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Patrick Poivre d'Arvor s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie privée. Dans des extraits publiés sur le compte Twitter de l'émission, on y voit PPDA revenir sur des sujets très intimes, comme le décès de sa fille Solène, son éviction du JT de TF1 et même sur ses envies de suicide. Face à Marc-Olivier Fogiel, Patrick Poivre d'Arvor a confié avoir déjà songé à se supprimer. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent à d'autres. Au fond, ce qui compte, c'est quand même de pouvoir se dire que hop, au dernier moment, on a la tête hors de l'eau. En tout cas, la bouche hors de l'eau, a-t-il expliqué. PPDA est également revenu avec émotion sur le jour des obsèques de sa fille. Le journaliste avait tenu à tout de même présenter le JT le soir même. « J'ai reçu des lettres de téléspectateurs que je n'ai jamais jetées », avoue-t-il. Le 27 janvier dernier, Patrick Poivre d'Arvor avait d'ailleurs rendu sur son compte Twitter un émouvant hommage à sa fille, décédée le 27 janvier 1995.